Cher maître, quelle joie de vous voir et de vous entendre aujourd'hui à Radio Genève. Vos innombrables auditeurs de Genève, de Suisse et du monde entier vont être spécialement heureux de vous savoir maintenant en excellente voie de guérison, mieux en mesure maintenant de reprendre normalement votre place de grand soliste international que tous nous admirons si intensément. Et j'en veux pour preuve la splendide série d'enregistrements que vous venez de réaliser dans les locaux de Radio Genève pour le compte d'une grande maison de disques de Londres. On me dit que vous avez couvert de notes plus de 25 000 mètres de bandes magnétiques. Est-ce exact? Tout à fait exact. Nous avons réalisé à peu près 42 kilos de poids de ruban d'acier, ce qui évidemment ne représente pas tout à fait la quantité qui sortira en commerce. C'est-à-dire que de ce ruban d'acier, on tirera seulement 24 faces de grands disques. C'est vous dire que le travail représente un effort considérable nerveux, mais en même temps une énorme joie artistique, car nous pouvons choisir et nous pouvons surtout éliminer ce qui n'est pas bon. En somme, je suppose que malgré l'énorme fatigue d'un tel effort, qui a duré, je crois, plus de 10 jours, vous devez être particulièrement heureux de l'avoir accompli dans de si bonnes conditions. Oui, j'ai pu supporter cet effort sans ressentir aucune fatigue, grâce au fait que mon état actuel de santé est excellent. Je ne puis m'empêcher d'adresser ainsi mon message de gratitude à tous les médecins genevois qui m'ont soigné et dont, notamment, mes amis, les docteurs Dubois-Ferrière et Raymond Sarrazin, ont fait preuve d'un dévouement inlassable. Eh bien, puisque nous voici déjà installés devant le piano du studio, voudriez-vous peut-être nous interpréter l'une des pages dont l'enregistrement vous a procuré le plus de joie? Avec plaisir. Si vous permettez, ce sera la valse numéro 3 en la mineur de Chopin.
Merci, maître, au nom de tous nos auditeurs qui seront heureux d'apprendre que vous avez enregistré pour le commerce, je crois, à peu près tout le cycle des valses de Chopin. Mais dites-moi, lorsque vous vous trouvez devant une œuvre que vous ne connaissez pas encore, avez-vous un procédé, si j'ose ce mot, un procédé traditionnel pour en pénétrer toutes les subtilités et arriver à une interprétation voisine de la perfection? À proprement parler, je n'ai pas un procédé, mais évidemment, je dois m'établir un plan afin de faciliter et d'abréger la période de travail qui est la période, en somme, la plus ingrate, en même temps que la plus belle d'un côté. Je tâche d'apprendre l'œuvre sans toucher le piano autant que possible les premières semaines. Surtout pour une œuvre piano et orchestre, c'est un grand avantage car on apprend non seulement sa partie, mais tout l'ensemble. Ensuite, et seulement ensuite, je tâche de mettre les doigtés. Au point de vue doigté, je me permets de vous signaler que pour la musique de Chopin, ce qui est surtout frappant, c'est qu'on retrouve quelquefois presque l'empreinte de la main de Chopin sur certains passages. Tellement le passage est pianistique, sans faire jamais de concession à la main. Un bon doigté facilite le travail de 50% et permet pour des années de graver, au point de vue mémoire, l'œuvre plus que toute mémorisation en dehors du piano. Après le doigté, ce sont les nuances. Et là, évidemment, on doit rester dans le cadre du texte, c'est-à-dire se conformer le plus possible aux indications, aux intentions et suggestions de l'auteur. Une période d'à peu près un mois ou deux me suffisent pour apprendre l'œuvre suffisamment pour la connaître, mais pas suffisamment pour la jouer en public. Et j'estime seulement ensuite qu'il faut la laisser reposer et la reprendre pour le travail définitif, le polissage, le finissage, quelques mois après. Et alors j'ai la joie quelquefois de constater que pendant ces mois de repos, l'œuvre a mûri, a travaillé d'elle-même, si j'ose dire ainsi. Eh bien, la très grande majorité de vos admirateurs a fait de vous, à côté de votre brillante renommée de virtuose, le magistral interprète du célèbre choral de Bach. C'est exactement ça. Aimez-vous spécialement l'œuvre de Bach? C'est l'œuvre qui me tient le plus à cœur. Je crois que c'est celle dans laquelle je me sens le moins impur et dans laquelle peut-être je pourrais donner le meilleur de moi-même en tant qu'artiste plus tard. Quoique ne désirant pas me spécialiser, et c'est pour cette raison que je voudrais jouer le plus d'auteur possible, c'est quand même l'œuvre de Bach à laquelle je crois je consacrerai la plupart de mon effort artistique. Je crois que vous avez enregistré pour le commerce ces jours derniers plusieurs pages du grand cantor de Leipzig, et ceci est magnifique puisque l'on commémore cette année le 200e anniversaire de la mort de Bach. Pouvez-vous peut-être nous parler de ces enregistrements et éventuellement nous jouer une de ces pages? Certainement, je vous jouerai le choral en fa mineur, choral pour orgue, transcrit pour piano par Busoni. Mais avant de le jouer, je vous signalerai la joie particulière que j'ai eue un dimanche soir grâce à l'accueil tellement aimable de Radio Genève. J'ai pu enregistrer d'un seul trait la partita en si bémol qui sortira toujours en octobre en commerce, et j'ai pu la faire d'une manière très détendue, sans presque d'épreuve, ce qui ne fut pas le cas pour les valses de Chopin, où quelquefois nous avons peiné toute une matinée pour une seule valse. Donc si vous permettez, je vous jouerai le choral en fa mineur. Merci.